Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on se retrouve dans Remember Me sur PC. On est parti. Donc déjà comme vous pouvez voir, les menus sont très stylés. Donc j'ai supprimé la sauvegarde. C'était un premier essai pour voir les paramètres graphiques. Donc comme vous pouvez voir, les paramètres graphiques. Il n'y a pas d'options avancées. On a juste ça, c'est vraiment le minimum. Je vais aller vite fait dans les paramètres des commandes et mettre la VRC, voilà. On va lancer une nouvelle partie. Donc là, les niveaux de difficulté, pirate en air, donc c'est facile, agent héroïste, niveau moyen, et chasseur de souvenirs, le niveau difficile. Donc on va le mettre en moyen pour les 15 premières minutes. Allez, on est parti, là on va avoir une petite vidéo, on se retrouve juste après, je vais y arriver. Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez, cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon Sensen. Mon mari est encore bien vivant. Là. Et là. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel est votre nom? Nilin. En quelle année? Répétez ça. Nilin. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant.
Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Voilà, donc on est ici, donc on est, bon, en fait on n'a plus de mémoire tout simplement, hein. Tout ce qu'on se souvient c'est notre prénom, Nilin, nous avons une sorte de scientifique qui a parlé à un autre docteur qui a effacé le fond de notre mémoire, là on voit qu'on est en 2084 comme il nous l'a dit, il y a des robots qu'on peut voir dans le fond, tout ça, bon, allez, on va regarder ce qu'il y a. Voilà, ça c'est fait. Alors, comme vous pouvez le voir, vraiment depuis le menu jusqu'à maintenant, c'est vraiment stylé. Vous avez vu l'intro, style publicité Apple et tout ça, c'est vraiment hyper stylé. Les décors, ils sont plutôt pas mal hein, pour l'instant. Bon, c'est le début du jeu. Hein. Avancez. Il a dit, elle n'a aucun souvenir. C'est vraiment stylé. Alors, je l'ai retiré plusieurs fois, mais là, c'est vraiment pas mal. Donc là, il y a quelqu'un inconnu qui peut nous parler. On ne comprend pas ce qu'il nous dit. Pas mal, hein? Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Donc là, ça fait le même effet que tout à l'heure au début quand on nous aurait effacé la mémoire. Donc je pense que c'est, comme il lui a dit, le siège pour racler les derniers souvenirs. Nilin, tu m'entends? Oui. Ils vont effacer la cervelle, Nilin. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Donc il y a un inconnu qui va faire une diversion. Pour qu'on puisse s'évader d'ici. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Donc là, je pense que ça a dit à son tour qu'il nous a parlé. Mise en quarantaine provisoire. Merci de patienter. Restez en ligne. Ça a attiré leur attention. Nilin, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton sensen. Je le sentirai. Bon, vous voulez vous partir par là. Maintenant. Donc il faut savoir que ce jeu-là a été développé par une équipe française. Et c'est du très bon boulot pour l'instant. Ça donne vraiment envie de savoir la suite. C'est une très bonne intro. Voilà. Déploiement de l'unité de coercition. Donc là, on a le robot qui s'est mis en marche. D'accord.
La chanson se barre et de l'eau repasse ici. Oula. Le passage sur ta droite, prends-le. Relève-toi, tu dois continuer. Je ne sais pas où on est. Ça ne présage rien de bon. Où suis-je ? Tu y es presque. Glisse-toi dans un cercueil. Vite ! Dans un cercueil, d'accord. Comme on peut le voir en dessous. Il y a des gens. Bon, on va écouter la voix. On va lui faire confiance. Que ce soit un cauchemar. Nilin, est-ce que ça va? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, frangine. Je l'ai fait, frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis ? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça ? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant ! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Écoute, Johnny pleure. Douleur partagée maintenant. Peur.
perdu maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Peur. Peur. Perdu. Perdu. Et pourquoi pas, ami? Je suis pas de la tribu, c'est ça? Je ne veux pas me battre avec vous. D'accord, donc là, on est attaqué par des êtres. Là, nous dit qu'on peut utiliser le menu Sensen, donc on va voir ce que ça va nous dire de beau. Ok, on va choisir pas trop de temps. Ok, donc on peut choisir. Celui-ci, ouais. On va choisir un troisième. Donc, comme ils nous le disent, on peut créer nous-mêmes notre combo. Donc, on a différents coups, comme vous voyez là. Ce coup-là, et ce coup-là. Donc, à première vue, on a trois coups, ça donne un combo. Voilà. Je suis comme un dégagé sur trois coups de combo. D'accord. D'accord. Vous voyez les différents coups que je vous ai montrés dans le menu. Donc là, on est attaqué par ces êtres. C'est qui eux? Des Leapers. Des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables? J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification du combat erroriste. Qui est là? Oh. On a un qui s'enfuit. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on se trouve à Néo-Paris. Donc là, à première vue, on est dans le métro, dans les souterrains. En 2084, vous voyez comme ici, vous voyez. Nous sommes dans le métro. Donc là, c'est carrément ravagé par on ne sait quoi. Tout à l'heure, on avait vu pendant la publicité qui ressemblait à Apple, qui aurait eu une guerre dans le passé. Bref, on va peut-être avancer un tout petit peu, voir ce qu'il y a, et on arrêtera juste après. Pour l'instant, ça donne envie de voir la suite. Ok. Tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Je l'ai prévenu de ton retour. Qui? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. Sortir du territoire des Leapers. Je sais pas me faire opérer. Pas le robot, ah, c'est pas un robot de sécurité, d'accord. Une chose est sûre, le nombre d'erroristes en liberté a bouclé pendant la nuit. Et ça ne dit rien de bon. C'est Maggie qui vous le dit. D'accord. À la Bastille, l'administration peut avoir la fuite de la police. Comment la nuit? Un petit peu de mal à sauter, d'accord. Je vais passer de par ici. Donc, à première vue, est-ce que le mec tout à l'heure nous disait on serait une terroriste? Terroriste dont on aurait effacé la mémoire. La seule sortie, c'est par le haut. Edge, c'est qui ce Tommy? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause.
Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slam 404. Le Leaking Brain. Tu peux pas le rater. On va avancer encore un tout petit peu. Alors, désolé. C'est la sauvegarde automatique qui fait un petit peu armer le jeu, mais c'est reparti. Là, c'est vraiment fluide. Jouer à les FPS en haut, c'est toujours constant. C'est ultra fluide. D'accord. Donc après, quand on est en bonne santé mentale, on a un cercle orange au milieu. Et quand on est en mauvaise santé mentale, comme on a vu tout à l'heure, les Leapers, c'est tout gris, c'est tout anarchique au niveau du... de la forme en 3D derrière la nuque. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce slum. D'accord. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, regardez. C'est vraiment sympa. Donc je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Pour cette présentation, pour les 15 premières minutes. On va mettre comme ça avec une petite lumière derrière, la lumière du soleil. On va en rester là pour les 15 premières minutes de Remember Me. Qui m'a l'air très encourageant. Ça m'a l'air d'être un très bon jeu, ça donne vraiment envie de savoir la suite. L'introduction et la mise en situation est plutôt réussie. Voilà, je pense qu'on va rester là. Donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vert comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo, à partager, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Donc on va rester là, comme je l'ai dit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai eu à la faire. Voilà, on se rend rendez-vous pour une prochaine. Allez, salut, à plus.